Bonjour, c'est Gadi, bienvenue sur Gadi Gaming pour l'épisode 6 du Let's Play de la série, on va dire, de GTA 5, le braquage de Caio Perico en compagnie de Rick, Farah, Yout et Kaya. J'ai une mine sur la roue. Coucou. Et en ce moment, pour cette vidéo, évidemment, on doit finir les préparatifs de notre braquage. Cependant, on a voulu faire une petite course de cartes juste au début. Par contre, tout le monde a un truc, mais moi j'en ai pas. Allez, il va falloir se dépêcher là. Ah si, j'en ai un sur le côté, j'ai pas vu. Ok, bah, comme vous voulez. Kaya, tu donnes le départ ? Départ ! Vous avez tous 1000 points sur le... Départ ! Vous avez tous 1000 points ? Oui, alors oui. J'imagine Kaya en stream, tu sais, avec le petit mouchoir. Ouais. Allez, vas-y ! Allez, Kaya, 3-2-1... Attends Oh ! Y'a Yout qui triche ! Mais non ! C'est pour ça, c'est trop long, là, allez ! Vas-y, ouais. Kaya, 3-2-1... 2-1... C'est parti ! 0 ! Il a dit 0, quand même ! Alors, déjà, on n'a pas la même route, ça commence bien. T'as mis points sur le sous-marin, on est d'accord. Hein. Oui, mais... Ah non, tu m'as dit sur la fête foraine. Mais non, t'as... Ah oui, la fête foraine, 2 sur 2, c'est vrai. Merde. Oui. Bon, bah, du coup, je suis pas. Ah bon, c'est pas grave. La fête foraine. Ah bah, moi, j'allais pas la fête foraine. La fête foraine, 2 sur 2. Moi, j'ai pas upgradé assez par contre mon carte. Hein. Clairement, je suis pas au même niveau que vous. Hein. Oh putain. Moi, j'ai pas perdu à toucher à part le. Oh putain. Il raterait nickel. C'est formidable. Enfin, presque nickel. On va dire sur ses roues, pas sur le toit, c'est-à-dire sur ma gueule. Non, parce qu'en plus, on n'a même pas le même objectif. Par là, moi, tu m'avais dit, on met le point sur le. Ta gueule, oui, mais après, on a changé, on a mis course, fête foraine 2 sur 2. Ah ouais, mais vous auriez écouté, c'est pareil. Non, moi j'ai écouté, Farah, il a dit, on met sur le sous-marin. Oui, mais après, on a dit 2 sur 2. Oui, bah, si pour vous aller, pour aller prendre les jet skis sur la plage. Donc en fait, c'est le premier jet ski sur la plage, mais. Ouais, j'arrive. Ouais, je vais pour là. Surtout, Yout n'appuie pas sur explosion. Hein. Ouais, moi, ça, je m'en fous, je suis plus sur le car. Bon. Moi, je sais pas comment on fait déjà pour. Non, c'est qui est là ? Je suis arrivé au jet ski. Alors, je sais pas qui. Attendez, qui c'est qui est devant moi là ? On est Yout. Bah, on est tous devant toi, je crois que t'es le dernier, Gadi. C'est possible. Bah, ça, en même temps, j'ai pas le car qui va avec. Hey. Ils sont tous à fond là les cartes. Ah non, t'as rien à rajouter à part les freins, tu modifies rien. Non mais moi le moteur vous l'avez changé. Le moteur il rajoute rien. Ah d'accord. Il est déjà à fond ton moteur. D'accord, ok, bon temps pour moi. Là. Bah dans ce cas j'ai pas la volonté depuis tout à l'heure. Bah non, ouais, moi j'ai mis le point sur le sous-marin comme. Ah, donc du coup c'est pour ça que je suis avec you. Oui, parce que vous étiez en train de vous taper dedans quand on a changé. On s'est planté de route quand même, c'est fort. Non, on s'est pas planté de route, ils ont changé d'avis. Non, on n'a pas changé d'avis, on discutait. Non, on change pas et d'avis. Et ça a été dans la même conversation. La deuxième place est disputée, attention. Oh oui, oh. Alors déjà, moi, il y a Ganu qui essaie de grimper les escaliers. Non, putain. Ah, bien. Ah, c'est Farah. Moi, j'essaye de grimper les escaliers, pour info. D'accord, avec un truc qui monte même pas les trottoirs. Ça grimpe les escaliers, ça les grimpe. Tu peux venir me voir si tu veux, Edouard. Bon bah du coup, il y a Yout qui est parti. Allez hop, yes. On t'enverra une invite quand on sera arrivé. Par contre, faut pas grimper en haut en fait, je suis con moi. Ah mais vous êtes resté là. Bah c'est en dessous ça. Je croyais que vous étiez parti. Bah non, on était à côté de toi. Bah ouais, bah on faisait la course jusqu'au sous-marin. Bah non, jusqu'au jet ski. Rah. Bah du coup, et jusqu'au sous-marin. Oui, d'accord, il y a tous les cartes en dessous. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, retournons. On t'a laissé un jet, hein, Gadi. Comment ? On t'a laissé un jet ski. Ah oui, c'est pour ça qu'il y en avait bien les jet skis, parce qu'il y en a 4. Il y a plein de jet skis. Bah oui, il y en avait 4. Mais si, il en est sur le ponton. Allez, monte. Il veut pas monter. Ah ! Non, on pousse pas. Hop là, c'est bon. Il me fout le jet ski dans la gueule. Fais gaffe les gars, il y a un jet ski sur le sous-marin. Là j'arrive. Ah, il y a Kaya qui est encore là, Kaya ? Oui. Il vient c'est le moment de la blague de Kaya. La blague de Kaya. Oh ! Alors, il y a plus de jet ski sur le sous-marin. Et il y a le gars du qui a pris l'eau. Ça c'est encore un autre problème. Donc, c'est l'histoire d'une brioche qui allait jamais au sport d'hiver. Pourquoi ? Parce qu'elle ne savait pas skier. Oh ! Ça ne veut pas skier.
Oh, c'était recherché cette fois. Ça se voit qu'on lui a laissé le temps. Tu l'as inventé, celle-là, Akeya, non? Hein? Tu l'as pas inventé? Ah non. Mais non, 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 non. quel carambar t'as mangé pour avoir ça? Bah. Ouais, c'est un carambar, quoi. Ah là là. D'accord, merci Keya. Attends, je me suis encore planté. Je suis en ramasser des armes. Vous êtes tous au truc de pilotage, enfin le truc de pilotage. Oui. Alors, dans les préliminaires, je vous propose en perturbation. Arrête, Eric, du monde. Eh, j'ai vu que t'allais me dire dans les préliminaires, je demande la mère d'abord. Dans la famille préliminaire, je voudrais le fils. Il y a les armes, les protections, ou soutien aérien. Les armes. Les armes. Toutes les armes. Attends, je peux voir là ce que t'as fait là. Non, mais on a déjà des armes. C'est en perturbation ça. Ah. Eh ben. Les armes. Optionnel, c'est écrit préliminaire. Optionnel, c'est qu'à chaque épisode, éliminer les trafiquants d'armes dès le Globio. De... On a 10 minutes pour éliminer les 3 trafiquants d'armes. On adapte. Bon, éliminer les trafiquants d'armes. Viens avec moi dans l'hélicoptère. Houloucoptère. Viens, Yadu. J'arrive, je suis là. Ah, nous, on prend le sous-marin, c'est ça? Pas Houloucoptère pour nous alors. Ouais, vous dégagez, vous, rien à foutre. Nous, on va prendre lance-roquette. Non, regarde, viens dessous, il y a un truc rigolo. Rick, par contre, tu penseras bien à ouvrir d'abord le doigt, oui, c'est ça. Sinon, ça va faire du dégât ton histoire. Là. Et puis, je crois que le truc, il faut pas l'ouvrir quand le truc, il est sous l'eau. Hein. Parce que sinon, ça sent le carnage. Alors. Je sais pas s'il y a un bouton de sécurité, mais bon. Et c'est vrai que vous partez en hélico comme ça à deux. Dans les côtes, hein. Nul sort, il y a un jet ski d'or. Buffet, j'allais dire. Ouais, vous avez toujours les jets ski. Attends. Il y a un lance-roquette aussi dans la salle des torpilles. Ah, Rick, il est pressé. Hein. Alors, éliminer les trafiquants d'armes pour réduire le stock d'armes dont disposeront les gardes d'El Rubio pendant le braquage de Caio Perico. Donc, ça sera beaucoup plus simple pour nous. Il nous reste 8 minutes 50. T'imagines dans la vraie vie, si on devait faire ça? T'attends, dépêche-toi. Pour une mission. Ouais, j'arrive. Bah oui, si tu veux moins de défense, tu mets la sécurité à l'avance, quoi. Non mais ça d'accord, mais sauf que peut-être que ce qui n'était pas prévu, c'est peut-être que El machin, El Rubio là, il a déjà en fait des armes. Et on va buter le trafiquant, on va dire que j'en ai à foutre, mais j'ai déjà reçu mes caisses la semaine dernière. Là, je sais rien. Peut-être même que ça lui fait prendre de la valeur sur ses armes. Peut-être gagner un peu de pognon, tu vois. Ah par contre, c'est chronométré, il y en a 8 minutes 16 pour le faire. Hein. C'est ce que je disais. Excuse-moi, c'est pour ça que t'es pas. Pour ça que j'ai pas perdu de temps. Autant pour moi. Et que malheureusement, on n'a pas pu prendre. Youtube 4 parce qu'ils ont un hélicoptère qui. Prends-en un autre et qu'on va s'occuper dessus là, nous. Lequel? De quoi? Celui sur lequel, vers lequel tu vas. Ah bah, c'est bien, tu me fais changer de direction. Bah ouais, mais nous on est pour nous. Oui, mais toi tu peux et nous on est sur l'eau. Attention! Bah oui, d'accord, bah oui, mais. Alors, qu'est-ce que tu veux que je regarde, Rick? Non, bah laisse tomber, c'est un échec. Pourquoi qu'ils avaient? Parce qu'on va s'écraser. Non, parce qu'on m'a demandé de changer de direction alors que. Yout, Farah, la merde! On était bien parti. En même temps, si c'est un mauvais pilote, on n'y peut rien. On était chaud. En même temps, on choisit le pilote de son hélicoptère. Hein. Mais non, mais j'ai pas de copilote! Je suis tout seul, tu devrais le savoir. Tu veux que je t'aide? Attends, je t'aide. Bah non, mais c'est trop tard. Alors, depuis le début. Tout droit. Je fais tout seul. Tout droit, Rick. Ah bah oui, tout droit, oui, je le sais, merci. C'est vrai, c'est tout droit en plus. Par contre, j'ai pas d'armes, Rick, en fait. J'essaie de prendre mes armes depuis tout à l'heure, en fait, y a pas à prendre d'armes. Non mais on a plus d'hélicoptère non plus, donc c'est pas grave. Non mais on va se poser, on prend un autre. Pose-toi, on tire dessus. Yout, on va toujours dans la bonne direction. Tu peux regarder ta carte? Pas caca. La carte pour donner les 10 directions. Attends, c'est où? Ouais, si, non mais c'est au nord, tu sais, vers le bunker de base. Ah, écrit que je t'ai dit pas. On arrive toujours à la Ace Ventura. Attention, le ponton. On ta tête. Un siphon, fond. Mais il m'a déjà buté. Attends, il m'a oui, d'accord, ok. Effectivement. Et j'ai tiré dessus. Hein. Je comprends mieux. Il doit plus être loin, Yout. Continue. On est encore un peu loin. Petit cadeau. C'est bon, ça m'a tué ou pas? Il est toujours en vie, le mec, ou quoi?
Tu me dis quand il faut accoster. Ouais. Tu vois les lumières au loin? Bah c'est encore après. Sérieux? Ah oui, c'est la piste de décollage de la base militaire. Et c'est encore après. Ouais, mais on, c'est pas à côté, hein. J'avais un problème des jetons, là. Oula, oula. De toute façon, ça a pété, hein. Ou pas, d'ailleurs, je sais pas. Non, on voit, là. Comment ça se passe? On s'est tous soignés, là, c'est bon, hein. Et ils avaient max de pognon sur eux, par contre. Ou c'est moi qui ai juste gagné du pognon. Quoi? Comment ça, quoi? Qu'est-ce que t'as fait, là? Tu sors un autre... Tu voulais un avion? J'ai pas compris. Tu disais quoi? J'ai pas compris. Tu veux qu'on aille en avion? J'ai pas entendu ce que tu disais, répète. Non, je disais, c'est bon, on les a liquidés, je pense. Oui, bah oui, avec tout le stock de grenades que j'ai balancé. Il y a un autre hélico, bah voilà, parfait. Donc c'est pas fait du tout, Rick, qu'est-ce que tu racontes là? Je vais pouvoir te faire des copies là-dessus. Qu'est-ce que tu étais parti? C'est bon, hein? On t'a récupéré mon argent qui était tombé. Ah, autant pour moi. Oui, c'est vrai que c'est mieux, on sait jamais. Si tu pouvais grimper dedans, voilà, merci. Ok, et donc maintenant il faut aller. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors attends, il y en a qui est à gauche là. Alors il y en a un qui est à droite et il y en a un qui est à gauche. Le problème c'est que il y a Rick et Farah, Yut et Farah qui vont, je pense, sur le celui en haut. Donc nous on va à gauche. Tout au nord. On va à gauche. Je mets un point comme ça là, tu le vois le point ou pas? Non, non, mais c'est pas. Oui, je le vois, mais c'est pas la peine de le mettre parce que c'est. Oui, il n'y en a plus qu'un, oui, forcément. Oui. Je le vois, ouais. Voilà. Désolé Eric, je t'ai senti un petit peu chafouin là tout à l'heure. Hein. C'est moi qui fais. Non, non, pas du tout. Alors ça, c'est quoi, il disait comme ça. Plutôt grand là. Non, pas du tout. Là, il a s'énerver devant la caméra, mais je suis sûr que derrière, hein, il n'en pensait pas moi. Voilà. Cool. On va passer dans les. Retire ton point, là, et c'est derrière. Pourquoi? Retire ton point. Ah oui. Non, pas de là où tu penses. On a tous pensé à la même chose. Oui, sur le coup, moi aussi, j'avoue que j'y ai pensé. Ah, tu touches l'omoplate. Ah si. Bon. Là, normalement, tu devrais pouvoir tirer. Depuis oui, exact. Mais sauf que... Attends, ah, mais là, on est beaucoup trop loin. Ah, voilà, il a tiré. Ah, mais... si, j'arrive. Encore j'arrive... après, Farah, encore après. C'est super facile. Après. Loin après. Je sais pas si ça passe là. Ah oh oui, bah lui il est pas équipé lui, hein. C'est bon, tu peux le niquer. Ouais, mais attends. Oh putain! Ah oui, je te dis, je sais pas si ça passe. Viens à gauche! Je vais me poser. Ah, je suis raté. C'est pas beau ça! Eric, j'ai fait la même que tout à l'heure, mais avec un jet ski sur le salon. Oh, bah. Un peu plus à gauche. Tu vois, désolé. Et il est derrière la pointe, oh, putain! J'en ai eu 4 là déjà. Il en reste déjà beaucoup moins. Ok, non, on là, a tout à droite. À droite, il y a du bien. Putain, il a bougé. À droite. Ouh, je me suis tombé comme un con. Il est là, après la plage. Vite, on a deux. On sort là. Va à fond. Ouais, on sort là. C'est fait pour nous quoi ça? On attend que le véhicule s'arrête avant de descendre. Attention, on attend, le bordure du quai est mort. On attend l'arrêt total du véhicule. Il reste 2 minutes 30. Tranquille. Les mecs, il reste plus que vous. Hein. Ouais, bon, c'est pas un problème. On vient d'arriver là. D'accord, bon, ça va aller, 2030. Eh, par contre, peut-être qu'on aura 2030, il faut. Oh quoi. Putain! C'était moi qui t'ai poussé, non? Je crois que c'est moi qui t'ai pète poussé. Pète-le! Il m'a eu, celui sur le véhicule, il m'a eu. Non, c'est pas grave. Ah, vous avez le temps, vous inquiétez pas, stressez pas, les mecs, stressez pas, vous êtes bien. Le problème, c'est le véhicule qui s'en va. Il y a 5-6 mecs à tuer à chaque fois, c'est bon, ça va le faire. Bon, faut qu'on revienne au chemin, en fait. Bon, déjà, il va pas se sauver. Voilà. Pourquoi ne pas conduire de moto dans la vraie vie? Là. Putain, mais ah, il me one shot quoi. Et il a une. Ah, il one shot le gars. Ouais. Ouais. Eh ben c'est pas grave hein. Je vais prendre mon arme secrète. Mec. Tchou. Ouais, ça va faire tchou à travers. Non mais ça à travers le. Allez là-bas. Elle a volé jusque là-bas. Le bien c'est que c'est la pédale du frein normalement qu'il a ici à droite. Je sais pas pourquoi quand il accélère il touche au frein.
On doit récupérer leur véhicule ou quoi? C'est le frein. Ouais, non, il bouge encore le type, il est derrière. 70 secondes. On les a tous eus là. Bien joué, quoi. Voilà. Ouh, je suis en feu. Et alors? Un des flammes, t'as la queue qui est en feu, regarde ça. Youth, je vais voir les véhicules qui est ici. C'est quoi cette histoire? Ah putain, un truc de merde. Je vais voir les véhicules qui est ici. Regarde. T'as des pognons par contre. Le petit buggy, le petit gros truc là, et la voiture le qui est là. Le petit gros truc. Ah oui, ouais, la Tampa. C'était quoi ça? La Tampa armée, elle est sympa, ouais. Non, mais ça c'est nul. Je sais que c'est nul. On va faire des reculs. Ah oui. Bah viens. Autant on est que 4, on est que tous les 4, j'ai pas compris. Là. Bah y'a personne qui est là-dessus. Bah non. Alors copilote, on va où? Sous-marin. On va au sous-marin, ça hein. Oh putain. Sous-marin, on a pu tourner là. D'accord, autant qu'on va. Prochaine, je prends. Ah oui, t'as pris la voiture qui va vite, t'as en fait. T'as fait l'exploit, Eric, de te prendre. Ah, j'ai pris la Tampa. Oui, c'est surtout moi, là, qui ai pris, je crois, non? Tu t'es pris la bagnole dans laquelle je suis rentré, plus du carrefour. Tu viens ou tu préfères prendre une voiture? On vous rejoint sur la ligne, hein. On vous rejoint sur le tracé, hein. Sur le GPS. Hein. Bref, alors, si je dis pas de bêtises, et si on résume ce qu'on vient de faire, plus sérieusement, on a fait, en fait, un tout de... les missions préparatoires pour le braquage. Désormais, il ne resterait que le braquage. Oui, alors après, on peut continuer pour nous faciliter la tâche après. Alors, c'est-à-dire continuer quoi? Refaire une mission préparatoire. Faire les autres missions préparatoires, comme là. Là, c'était pour les diminuer la défense. Ensuite, je ne me rappelle plus des deux autres. Oui, il a des l'aérien, des hélicoptères, un support aérien. Bah, carrément, bah, pourquoi on le fait pas? Au moins une deuxième pour voir. C'est pour ça qu'on va au sous-marin. Ah d'accord. Ah Youd, j'ai du monde au cul. Ouais, moi aussi. Après, si tu veux... Oh voilà. Et ils tirent dans mes pneus qui sont pas blindés. Ça, c'est fait. Pareil, ils viennent de me crever. J'ai eu un accident de moto sur la route, et ben je me suis cassé tous les os. Ça, c'est fait. Voilà, pourquoi ne pas conduire de moto, hein, les viewers. Moi, je vais pas faire du préventif, mais je peux vous assurer que ça va très très vite. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux quand même avoir une bonne combinaison. Et il n'y a pas besoin de rouler vite. Ceci dit, j'ai une moto, mais... c'est ça le pire. Mais effectivement, il faut être conscient au moins du problème que ça peut poser. Parce que le tong short t-shirt, malheureusement, qu'on voit souvent... Voilà, au minimum. Et là, quand je dis le minimum, c'est pas le minimum, en fait. Mais, on va dire, qu'est-ce qui serait déjà moins pire? Ce serait déjà d'avoir au moins un pantalon. Pour commencer, bah, déjà, si possible, déjà ne pas avoir de peau exposée, c'est déjà à la base. Déjà, ensuite, après, il faut avoir des protections, donc l'événement avec les protections, ça n'est jamais assez. Et puis après, bah, il faut éviter de faire le con, puis il faut être comment dire, attentif tout le temps. Il n'y a pas de. On peut pas supposer qu'une voiture ne vous a vu, par exemple. Ils m'ont tué, putain, ils m'ont tué juste quand je t'ai rejoint. Mais bon, là, je suis où, en fait, tout à l'heure. Ouais, ils sont casse-couilles. Bon, j'arrive au sous-marin, je vais vous envoyer une invite. Ah bah oui, ce sera plus simple, parce que là, moi, j'avoue que je galère un peu. Là, oui. Je suis sûr que j'ai sauté par-dessus le pont, c'est-à-dire que... Ah oui, voilà, je vais monter, et hop là. Pff, allez. Quand il y a le brouillard, je vois pas... Heureusement qu'il y a le radar, enfin, qu'il y a la minimap, parce que... Moi, j'arrive pas à comprendre, dans GTA, que maintenant, il y a encore des véhicules armés, civils, hein, je parle des missions, machin, qui ont pas les pneus à la résistance des balles. C'est ouais. Aberrant. C'est clair. Je prends ça. Mais putain, le flic, mais ouais, mais le flic qui se met en face de ma voiture, normal que je rentre dedans. Ça m'a tellement sur chier à créer cette map là. J'étais à 5. Là, je suis tombé devant un bâtiment extraordinaire, le bâtiment. Il y a tellement de détails, c'est. Mais c'est ça, voilà. Oula, y a un qui va. Mais c'est vraiment détaillé quoi, c'était. Avant, et puis même depuis hein, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres jeux qui sont aussi détaillés depuis. Avec aucun. Avant, t'arrivais en ville par exemple. Bon bah t'avais 2-3 patterns de bâtiments qui se répétaient. Voilà. Et là tu peux regarder, les maisons sont toutes différentes. Ah les designers là, c'est une map là, c'est... Les seules choses qui peuvent se répéter, et encore, il y a quand même plusieurs modèles, c'est les climatiseurs, c'est, hein. Tous ces accessoires-là, ouais, 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 ou les images d'intérieur. Ouais, on va pas leur reprocher non plus, d'ailleurs.
D'ailleurs, c'est déjà magnifique. Non, mais pas du tout, parce que mais c'est à force d'avoir cherché des détails qui se répétaient. Et puis la taille du jeu, du coup, se justifie grandement par ça. Oh putain, j'ai plus là, je suis plus le terrain piloté. Est-ce qu'on pourrait faire un GTA 6 juste avec une nouvelle map? Ah bah là, avec le même moteur, tu pourrais, hein, il suffirait. Par exemple, là, GTA 5, tu pourrais même rajouter juste des textures HD. Oh putain, ma bagnole a pété. Elles sont pas HD, là, les textures? Ah bah, elles ont été... je pense qu'ils en ont retapé pas mal depuis, quand même. Mais non, mais tu changes les textures, déjà, tu les mets en 4K, quoi. Pour que ça repaye un petit peu tout ça, quoi. Ah, moi, j'ai... J'arrive moi, Rick. Hein. Je vous ai invité. Je prends pas ton invitation. Moi j'arrive avec mes propres moyens. Parce que moi je suis. Voilà. Je suis arrivé comme un dégueulasse. Bon. Au moins ça montre aux viewers ce qu'on fait en fait en vidéo. Parce que vous avez vu les coupures qu'on fait dans les vidéos. Voilà. En fait il y a pas mal de péripéties. Après des fois c'est marrant, des fois c'est les moins. Là en l'occurrence c'était pas super. À part quelques cascades. Voilà. Ouais. Mais sinon c'est vrai que ça peut être très très marrant. Et je vous ai passé des passages évidemment les plus marrants. Notamment quand on est parti en bateau et que c'est Farah qui nous a retourné, ça n'est pas jeté, hop, il retourne le bateau, fini, voilà. On en parle. Oui, c'est Farah. Alors, je vais tenter, je dis bien tenter, de retrouver la cabine du capitaine. Parce que c'est quoi ce bordel là ? Chaque fois je la perds cette cabine. Un peu crevé comme moi. Non. Attends, j'arrive. Les autres ils sont encore sur la route. Et vous êtes invités, les mecs, hein ? Oui ! Ah, mais on s'aime les flics. Coucou ! Deux, ça va allumer, regarde, hop, allez, rangé. T'es sûr que c'est par là-bas? Non, mais ils sont sous-marins, Farah. Mais je sais pas, moi j'ai tracé par ici. Très mal, hein, pour le coup, roule à droite. Ah, peut-être enchaîner, parce que les viewers, là, sinon ils vont... Oui. Ah ouais, forcément, vous avez pas les vérifiés. Ils ont le son, ils ont pas les images. Est-ce que tu peux lancer directement, en fait, Harry? Je peux, il faut que tu sautes dedans, sinon ils vont pas être dedans. Bah, si c'est sur l'île, ils auront déjà une avance sur nous. Préliminaire. Perturbation. Protection. La protection. Rejoignez le centre de distribution. On a 10 minutes. Ah, moi j'ai rien du tout à l'écran. Moi non plus. Ah, c'est bon, là je vois, c'est bon. Ah, c'est bon. Ouais, pareil, je t'attends à l'hélico. Ouais, c'est bon, j'y suis. On change de voiture, t'as vu ? Il est revenu tout seul. Allez, grimpe dedans. Ouais, c'est bon. Il change ma caméra, elle est chiant. Il y a des petites latences quand même sur GTA 5, on sent bien que ça charge, t'entends là? Je pense que c'est la partie réseau qui charge. Donc là, tu veux que je te copilote? Alors s'il y a plusieurs points... Non, il n'y a qu'un point. Ouais, il n'y a qu'un point, donc c'est pas la peine. Tu sais directement où aller. Chances qui s'offrent à nous. Livraison de protection pour les hommes, non, tu vois, c'était les mecs qui devaient livrer les armes. En fait, il est en train d'équiper son île. Mais en armes, et ça, là, ils vont livrer des protections. Et maintenant, on va limiter les hyperbales. Voilà. Donc là, il doit être en train de renfoncer parce que, comme il nous a dit plutôt Pavel, il y a déjà des mecs qui ont braqué l'île. Donc il doit être en train d'essayer, je pense. Ah, une prime de 3000 dollars est offerte pour Farabin 73. Tiens, donc, qui a fait ça? Oh, vas-y, bah, c'est bizarre. C'est peut-être la bouffiasse à qui j'ai volé la bagnole. C'est peut-être ça. elle a pas trop apprécié. Ce petit hélico là, mine de rien. Oui, carrément, c'est la grande, tu me fais peur. Hein. Tu vas peut-être un petit peu vite et pas assez haut d'ailleurs. Je sens le. t'inquiète, les hélicos, on gère. Mais celui-là, il est léger en fait, parce que là, station service, hop là, boum. T'as vu, c'est une structure tubulaire. Rejoignez le centre de distribution. Ok, on va se poser à côté. Alors ici, là, je vais me poser dans ma cour, parce que c'est chez moi ici, tu vois. Rick, regarde ta mini-map. Oui, là où je stocke mes véhicules volés. L'homme breveté du cercle des pilotes depuis X temps. Il faut pas le dire au FIB. Hein. Ils ont toujours pas trouvé l'emplacement. T'inquiète pas. C'est après du bon que tu payes, moi après, c'est le principal. C'est ça. Alors, je suis armé jusqu'aux dents, mais je pense que. Oui, ils sont 4. Ah. Ça devrait être vite fait. Ils sont 4, mais ils sont utiliser 4, des explosifs pour détruire les caisses qui contiennent les protections. Ok. Alors. Y'a les mecs en face, je peux tirer dessus ou quoi? Hop là, regarde ça. Boum! Regarde ça. Hop! Ah, raté. J'ai raté la caisse. Ouais, mais t'as une, mec. Hop là, l'autre qui court là. Hop là. Il y a une caisse là, ici.
Le mec il se cache, j'ai un cache. C'est bon, c'est arrivé. Il y a des armes qui traînent. Il y a du pognon qui traîne aussi. Entrez dans le centre de distribution. Ah bah on va attendre les copains alors. Ah bah, moi j'ai, si les flics au... j'ai les flics au cul et je sais absolument pas où vous êtes. Bah ouais, okay. on a plus le marqueur. Ah, c'est bon, vous êtes là. Ah ouais, on est là. Bah je vois que vous arrivez là. Ah, le point qui est là. Ah oui, parce qu'on allait dans la bonne direction quand le point a disparu. Mais il est toujours là le point. Il y a un hélico là, c'est vous l'hélico? Non, c'est la police, c'est pour eux. Parce que vu qu'on y pleut, ça peut être les PNJ ça. Ça vient voir, la publicité. Pour Gastroband. Gastroband, t'as la gastro, il fait des bandes. Là. Alors, t'as la gastro, tu... Il y a une référence à quelque chose que je connais pas. Bah regarde la pub. Bah ça me dit rien. Oh putain, mais il me lâche pas. Tu vois pas le t-shirt et le ventre? Si, je veux bien la pub, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une référence à quelque chose. Non, bah c'est un truc contre la gastro, je pense. Voilà, c'est ça que je voulais savoir, parce que je cherchais en fait la parodie, en fait. Non, mais c'est surtout un ventre qui dépasse du t-shirt, quoi. Ouais, c'est des choses qui arrivent, ça. Malheureusement. Bah, il reste 5 minutes 50. Hein. Ouais, bah j'aimerais bien arriver, mais j'ai plein de flics au cul, j'arrive pas à m'en dépêtrer. On les voit, les hélicos, ouais. Appelle Lester, arrête de faire chier, là, merde. Et où on va se calmer? Merci Kaya. Et Kaya, raconte une blague. Pourquoi c'est méchant avec Faral? Parce qu'il se baigne pas. Voilà, il reste 5 minutes 30. Ah bah, hein, je peux pas appeler Lester, moi je peux pas conduire et appeler Lester en même temps, c'est pas possible. Sinon, bah, on va être obligé de le faire sans toi en fait. Parce que s'il faut retourner au truc, sinon, je sais pas. C'est comme vous voulez. Sinon, attends, vous êtes vraiment loin là? Non mais allez-y, finissez. Est-ce que si on va pas dedans, Rick, ils vont pas être TP? Ah bah là, c'est un échec, va falloir recommencer. Pourquoi? Bah si on va pas dedans, c'est un échec. Ah ouais, finissez. Attends, la j'appelle mission. Lester, pour moi. Ah, essayons pour voir déjà. Appelle Lester. Finissez la mission. Non mais attendez, on va attendre que vous... si vous pouvez le faire, si Lester ça marche, allez-y. Mais pourquoi c'était les flics au cul aussi, Farah, là? Lester vient de m'envoyer bouler. Ah bah quoi, ça s'est fait. Donc, on a deux choix. Une balle dans le crâne quand soit on fail la mission et on la recommence, soit on la termine. Messieurs, qu'est-ce que vous proposez? C'est comme vous voulez, hein, c'est... nous on est devant, vous pouvez comprendre. On retourne la mission. On retourne à l'hélicoptère. Ouais. On va relancer la mission. D'accord. Et bah, les viewers, ce qu'on fait, c'est on se fait une ellipse ici et on se reprend dès qu'on est au même point, mais avec Yout et Farah. Allez, ellipse! Voilà, on se reprend. Alors du coup, après quelques péripéties, en fait, on a essayé de relancer la mission et il s'avère qu'on ne peut pas. Alors soit il y a un bug et c'était validé alors qu'on l'a pas totalement terminé, à moins que exploser les caisses, en fait, c'était la mission, le reste, en fait, c'est du pipeau, donc il est considéré qu'on avait fini. Ou bien, comme proposait Yout, mais ça, vous l'avez pas entendu, les viewers, Yout disait, en fait, que en fait, la mission, si on la réussit bien, on aura plus d'avantages après. Et là, vu qu'on l'a mal réussi, c'est-à-dire qu'on l'a raté, du coup, on sera plus dans la merde plus tard. Voilà. Si je résume bien. Donc ça, on sait pas encore. On a détruit qu'une partie du stock. Alors, je sais pas, peut-être qu'on a détruit... On sait pas, en fait. On a détruit une partie du stock à l'extérieur. Après, le reste, on sait pas. Bah, peut-être qu'à l'intérieur, en fait, il y en a pas. Peut-être qu'en fait, à l'intérieur, c'est juste, par exemple, je sais pas, prendre des équipements... C'est les centres de contrôle, à l'intérieur. Ouais, on sait pas trop. Ça, c'est les missions que, en fait, à la fin, ça te dit pas mission réussie. Ça dit mission terminée. Donc du coup on saura pas. Donc là vous avez vu, hein, protection, je sais pas si vous regardez bien au haut de l'écran là, il y a armes, ça on l'avait fait aussi au début. Protection on l'a fait juste après, là-bas, elle est cochée alors qu'on n'a pas terminé. On n'a rien fait de plus, hein, depuis la coupure. Donc bon, écoutez, on verra ce que ça donne lorsqu'on fera le braquage final. Voilà, et du coup on n'a plus qu'à se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez bye bye. Allez bye bye. Allez bye bye.